Thank you.
Bonjour et bon sabbat à chacun d'entre nous. Nous sommes heureux encore d'être là, d'avoir cette chance d'être ici, de nous réunir pour louer notre Dieu. Et alors qu'on sent qu'il commence à faire frais, eh bien, on vous invite à être cette terre qui va être altérée, non pas par l'eau qui est là, mais l'eau du ciel, comme une terre altérée. Invitons Dieu dans nos cœurs. Pouvez-vous lever et chanter avec nous? Ce serait formidable. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, descend aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. À l'âme languissante, une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, viens au salutaire. Répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez à nous. Cette fraîche rosée représente bien entendu le Saint-Esprit qui entre dans nos cœurs. Et vous savez, le rôle du Saint-Esprit, l'huile que symbolise le Saint-Esprit, sert également à allumer la lampe qui est la parole de Dieu. Aussi, l'invitation qu'on vous lance, c'est de tenir cette lampe allumée et de la faire briller jusqu'à ce que l'époux vienne à nous. Tenons nos lampes prêtes. Dans la lumière de
Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, oui, nous sommes heureux de pouvoir ouvrir ta parole, apprendre de l'expérience passée. Merci pour ta fidélité et merci parce que tu as su conduire ce peuple rebelle comme nous parfois, dans le pays promis. Oui, Seigneur, nous avons confiance que tu sauras faire de même avec nous, par ta grâce. Merci pour l'œuvre de l'Esprit, merci pour le don de Jésus. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente et que nous puissions savoir nous encourager, nous édifier les uns les autres dans nos partages. Je te prie aussi pour nos amis internautes qui sont nombreux encore ce matin et bénis-les là où ils sont, qu'ils puissent être nourris et sentir qu'ils appartiennent à la famille, là où ils sont, depuis chez eux. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous ouvrons donc le livre du Deutéronome à partir d'aujourd'hui, puisque ce sont les trois premiers chapitres, avec effectivement toutes sortes de questions importantes, intéressantes, hein, se dire, voyons, pourquoi se rappeler du passé? Pourquoi l'histoire, hein? Et nous sommes heureux d'avoir un professeur d'histoire parmi nous, hein, qui animera une classe. Mais je pense que dans chaque groupe, ce sera utile et important de dire pourquoi se rappeler de notre histoire passée ou même des histoires des autres croyants. Et également, je pense que nous aurons l'occasion de nous interroger sur le rôle, le caractère de Moïse dans cette histoire-là, dans cette histoire du peuple, et qu'est-ce que Moïse peut nous apprendre sur sa façon d'être. C'est pour ça que je vous invite à lire à la fin du chapitre 3 un passage qui nous montre aussi le vécu de Moïse. Donc, Deutéronome 3, à partir du verset 23. Moïse dit « J'ai supplié l'Éternel en disant « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Je voudrais passer, je t'en prie, et voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il ne m'écouta pas. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. » Je pense que lorsque Moïse a parlé à ce moment-là, il avait accepté. Il a pu le faire en confiance. Il ne connaissait pas la suite, que nous savons maintenant que Dieu avait quelque chose de bien meilleur pour lui. Je crois que c'est ce qui nous attend, nous tous. Nous allons donc nous diviser en différents groupes. Il y aura donc 6 à 7 groupes francophones. Je vais peut-être juste rappeler, après on ne va pas les rappeler chaque fois, je rappelle qu'à la faculté de théologie, il y a un groupe sur l'estrade, ici la classe de Roland, la classe d'Étienne derrière, et ici normalement la classe d'Annie, devant, donc au fond de cette salle. À l'étage, il y aura aussi la classe d'Alison, qui sont dans le noir, mais j'espère que vous allez avoir un peu de lumière. Et puis, ensuite, il y a des groupes en langue non française, le groupe malgache, qui va avoir lieu. Peut-être le groupe anglophone, mais souvent, les anglophones ensuite s'organisent autrement. Et puis, dans la salle des parents, un groupe en langue portugaise. Voilà, nous testons effectivement ces différents groupes. Bonne étude à chacun d'entre vous. Et puis pour les personnes qui veulent suivre ce qui se dit sur l'estrade, vous avez les écouteurs, les récepteurs qui sont ici sur le rebord de l'estrade. Bonne étude à chacun. Une chose que je n'ai pas dite, est importante, lorsque à la fin, à 10h25, vous entendez le générique, les moniteurs doivent savoir qu'ils ont 15 secondes pour clôturer.
Donc c'est 10h15, parce que l'école du sabbat n'est pas terminée à ce moment-là. Il y a le flash missionnaire qui continue, et donc l'école du sabbat termine bien à 10h30, comme d'habitude. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos internautes aussi qui sont avec nous ce matin. Quel plaisir de pouvoir étudier la parole ensemble. Et là, j'ai le privilège de vous introduire ceux qui sont avec nous. Je commence par Jarvis. Merci Jarvis d'accepter notre invitation. Jarvis est le directeur financier ici au niveau du campus. Voilà. Merci. Et merci Philana d'être là aussi, d'accepter aussi notre invitation. Et merci David. Je t'en prie, Franck. Merci aussi, Clémentine. Alors, je suis très content d'être avec vous. Comment ça a été la semaine? Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Pleine de rebondissements, mais j'ai la joie de dire que nous sommes dans le Shabbat. Je pense que ça doit être la même chose pour les autres. Mais c'est un plaisir de retrouver le Shabbat, le rendez-vous avec Dieu. Le rendez-vous avec Dieu, le Shabbat, la paix de Dieu. Vous voulez dire quelque chose par rapport à votre semaine? Pour ma part, beaucoup de comités. Hein. Pas de surprise hein, quand on est administrateur, mais là aussi, le sabbat, c'est un moment d'apaisement. On retrouve la paix du Seigneur. Non pas que les comités sont parfois tendus, mais bon, ça arrive. Alors, on se réjouit surtout d'étudier la parole de Dieu. Tout à fait. Vous voulez dire quelque chose par rapport à votre semaine? Pareil, aussi contente d'être samedi pour profiter de ce jour. Exactement. Ça va, ça a été ta semaine? Oui, la semaine passe très très vite et vivement le sabbat parce qu'on oublie tout, même si on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Ben, quand on arrive au sabbat, ben, c'est le repos. C'est le bon, merci. Eh bien, nous allons entrer dans l'étude. Moi, j'aimerais commencer par, je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà eu de la part de quelqu'un un message qui vous a marqué, un message d'adieu, hein, disons farewell message. Hein, moi, par exemple, dans ce que je vais dire, dans mon expérience, par exemple, quand en 2004, j'étais étudiant ici, et donc je suis rentré à Madagascar, travailler dans le ministère, et je me rappelle que 15 jours après, ma maman, elle était décédée. Bon, elle était dans le coma, et une chose que j'ai retenue, c'est lorsque elle était dans le coma et puis juste avant de mourir, elle s'est réveillée et elle me parlait, elle me disait « Franck, la vie n'est que peu de choses. Marche pas à pas avec Jésus et j'espère que tu seras là avec tes sœurs quand Jésus revient. » Alors, il y a quelque chose comme ça qui marque. Bon, c'était au début de mon ministère pastoral et puis ça marque. Et je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça. C'est un peu le contexte. Hein. Nous nous trouvons aujourd'hui Moïse qui a 120 ans. Il a 120 ans. Et là, ils arrivent. Et c'est justement la première question aussi qu'on peut poser. Moïse va faire 3 discours dans le livre de Deutéronome. Et là, nous nous rendons compte que est-ce que ces récits qu'il raconte sont des récits tout simplement, allons dire, humains, qui parlent de Dieu, ou est-ce que ce sont des récits inspirés? Voilà la question. Des récits de la part de Dieu pour nous. Ton témoignage me touche, Franck, parce que, comme pour moi, ma maman aussi m'a laissé comme un appel. Où elle nous disait même à toute la famille, avant qu'elle nous quitte, la vie est belle. Après avoir parcouru bien des années de vie, avec aussi un ministère pastoral familial, et je me demande si finalement tous ces récits bibliques, des difficultés, voire même des conséquences graves, et qui se reportent même sur d'autres générations, je crois qu'aujourd'hui, le message clé de Dieu,
ce n'est pas de dire que tout est beau, mais l'amour de Dieu est magnifique. C'est cet amour-là qui transparaît pour moi, au-delà des difficultés, des expériences de Moïse et comment est-ce que ce peuple a vécu toutes ces années au désert, c'est finalement pour arriver, non pas simplement à une terre promise, mais à cet amour promis dès le départ. Merci beaucoup, Jarvis, de nous rappeler cet amour de Dieu à travers les messages de Moïse. Oui. Je trouve très pertinent ce que tu as dit et aussi en lien avec ce que Jarvis partage avec nous. Nous allons tout de suite pénétrer dans la leçon, Franck. Mais j'aimerais juste partager peut-être un témoignage avec vous qui montre à quel point, quand on arrive à l'aube de sa vie, le plus souvent, les personnes concernées font preuve d'une grande sagesse. Puisqu'elles ont fait le bilan, elles ont fait le point, et elles sont un peu plus clairvoyantes quand elles entendent le chant du cygne, pour reprendre cette expression. J'étais à l'hôpital à une époque où j'étais un peu dans le médical. Il y avait un homme qui avait un certain âge. Il était atteint d'au moins deux cancers. Il ne pouvait pas parler. Il communiquait en utilisant un tableau. Et je me rappelle, tout ce qu'il marquait, c'était empreint d'une grande sagesse. C'est des encouragements. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il a vécu. Mais ce que je retiens, c'est ce qu'il a dit à la fin de sa vie. À sa famille qui venait le voir, à ses parents, à ses amis les plus proches. Mais j'ai noté une grande sagesse pour reconnaître qu'il y a un bilan qui doit être fait. Et c'est exactement ce bilan que Moïse va établir dans le livre du Deutéronome. Mais si tu permets, nous allons peut-être placer le contexte pour éventuellement nos internautes qui n'auraient pas forcément toutes les informations que nous avons avec mes chers camarades étudiants assidus de la Bible. Moïse, qui est un Hébreu, mais qui a grandi à la cour de Pharaon, avait une formation de premier plan. Si on devrait l'adapter à notre période, on peut dire que Moïse a fait l'ENA. C'est là d'où sortent tous les grands dirigeants de notre pays. Mais non seulement il a fait l'ENA, il y a dans sa formation une dimension culturelle, une dimension scientifique, mais une dimension religieuse. Et ce qui est très important, ou disons, religieuse ou et science religieuse d'Égypte. Je note qu'il y a trois phases particulières dans la vie de Moïse, trois tranches. Il va vivre 120 ans, mais il y a les 40 premières années, les 40 secondes années et les 40, le dernier tiers. Ce qui me touche par rapport à ce discours, et c'est le résumé que j'en fais, c'est que notre cher Moïse a eu à être formé durant les deux tiers de sa vie. Durant 80 ou 80 ans pour les Belges. Et c'est dans ce dernier tiers qu'il va pouvoir cheminer avec le peuple. Je dis bien cheminer, pas faire cheminer le peuple, parce que c'est Dieu qui fait cheminer le peuple en utilisant Moïse. Et durant ces 40 ans, premièrement, en Égypte, avec la connaissance, puisque rappelons-nous que l'Égypte, à cette période de l'histoire, c'est la civilisation, le fleuron avec les Sumériens en termes de science et autres, et culture. Et Moïse est percé dans cela. Mais il n'oublie jamais d'où il vient. Et c'est ce qui va lui permettre de mettre par écrit toute cette transmission au peuple d'Israël. Et je retiens un verbe. Le verbe souvenir que nous retrouvons dans le décalogue, dans les 10 commandements. Merci beaucoup, David. Tu nous as placé dans le contexte par rapport à Moïse. Je reviens sur une question que j'ai déjà posée tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit donc ici de récit tout simplement historique, humain, qu'il est en train de faire, ce sont simplement des histoires que les humains ont faites pour parler de Dieu, ou est-ce que c'est Dieu même qui est en train de nous donner des récits inspirés et qui nous concernent également?
Mais comme vous disiez aussi tout à l'heure, pour les témoignages que vous avez par rapport à vos mamans et les derniers mots qu'elles ont pu dire, je trouve qu'aussi c'est comme, là on voit un petit peu aussi dans le récit ici, si on les prend juste comme un récit comme ça, ça ne va pas changer notre vie, mais c'est le fait de connaître, d'essayer d'apprendre et de vouloir se dire, j'ai envie d'expérimenter comme Moïse a fait, et là ça va changer quelque chose et là je vais pouvoir avoir... ça va pouvoir me faire grandir et je vais pouvoir connaître comme Moïse cette relation, essayer au moins d'avoir cette relation avec Dieu et de se dire, si pour Moïse c'était possible, pour moi aussi. Donc si on le vit comme une histoire, comme un récit ou une histoire, finalement ça aura peu d'impact. Mais le fait de connaître la personne, forcément ça va nous rapprocher de... Merci beaucoup Clémentine. Connaître Moïse, j'aimerais vous inviter juste à lire Deutéronome chapitre 18. Le verset 15 et 18, juste pour entendre quelque chose de Moïse, bien évidemment, le texte de Deutéronome commence justement dans le chapitre 1er. Le verset 1er, telles sont les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Mais si nous allons au chapitre 18, juste pour savoir comment Moïse a vu ces histoires, est-ce qu'on peut lire le verset 15 18 du chapitre 18. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et le verset 18 aussi. C'est exactement cela que tu as demandé au Seigneur, ton Dieu, à Horeb, au jour de l'assemblée, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix du Seigneur, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin que je ne meure pas. Le Seigneur m'a dit, ce qu'ils ont dit est bon, je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Merci beaucoup, Jarvis. On voit bien que Dieu conduit son peuple et il a envoyé Moïse donc, comme un prophète. Allons connaître un peu Moïse. Qui est Moïse? Je peux vous inviter pour commencer, on va essayer de... Première fois où apparu son nom, où est apparu son nom, c'est dans Exode chapitre 2. On va essayer de connaître un peu le personnage de Moïse, son caractère. Exode chapitre 2, et je vais lire cela, et on va essayer de comprendre qui est Moïse, son caractère. Exode chapitre 2, à partir du verset 1er. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Exode chapitre 2. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une caisse de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les gens au bord du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit se baigner dans le Nil, tandis que ses servantes se promenaient au bord du Nil. Elle aperçut la caisse au milieu des gens et envoya une de ses servantes la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle voulait l'épargner, mais elle dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et celui-ci le prit pour fils. Elle l'appela du nom de Moïse, tiré, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Voilà donc la première fois que nous voyons le nom de Moïse. Tu as commencé à parler du contexte tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de lui, de son nom ici, du contexte aussi? Qui est Moïse au fait? Voilà, pour aller un peu en profondeur dans le contexte, parce que bon, c'est lui qui va nous raconter les récits après. Alors, je vois Moïse comme un projet. Rappelons que dans le contexte culturel... À l'époque et dans cette région, et quand on donne un nom à un enfant, cela signifie un projet, une destinée.
Et il est intéressant de voir que ce n'est pas la mère de Moïse qui va lui attribuer un nom. C'est la fille de Pharaon qui va lui dire, qui va dire à la fin, elle lui, et le texte nous dit, à la fin du verset, c'est juste au verset 10, Pharaon qui le traita comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car disait-elle, je l'ai tiré des eaux. Moïse signifie tirer des eaux, c'est-à-dire ce bébé qui devait subir une mort certaine va passer d'un projet de mort à un projet de vie. Voilà. Voilà, vous avez quelque chose à dire sur le début de Moïse, donc sur, qui va sur nous son nom déjà. Récits. Oui. Hein, parce que il y a deux interprétations. Mm-hmm. Hein, il y a bien sûr en hébreu Moshe. Qui veut dire tirer littéralement ou retirer, puisque à la fin du verset 10, elle donne même la définition. Hein, c'est la fille, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Mmh. Voilà, donc on pense que c'est effectivement ce sens, Moshe, Macha, le verbe. Hein, donc tirer, alors certains même donnent la belle signification, hein, sauver, hein, parce que. On voit au-delà du fait simplement de retirer le panier du Nil. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a aussi un lien archéologique, hein, pour ne pas dire historique, avec les pharaons de l'époque, Moïse, toute Moïse. Il y a toute une génération de pharaons qui ont aussi hérité ce nom. Alors, rapidement, je peux aussi signaler que ceux qui seront intéressés, il y a le livre de Joseph Davidovitz, « La Bible avait raison ». Deux tomes, c'est en français, c'est pas souvent, donc je vous invite à lire. Et l'archéologie révèle justement la présence des Hébreux en Égypte. Ils ont découvert même dans les hiéroglyphes des traces du passage de ces Hébreux. Donc c'est pas rien. Donc ce n'est pas juste un récit, comme tu disais tout à l'heure, ou certains le pensent même un mythe, mais il y a clairement des preuves scientifiques. Alors c'est vrai que certains le dénoncent ou essayent de les minimiser, mais quand il y a pour une aussi longue période des traces et de la véracité biblique, je me dis qu'on ne peut que se fier à ce récit, qui est certes un témoignage de vie, un enseignement spirituel, mais Moïse a bel et bien existé. Merci beaucoup, Jarvis. C'est la raison pour laquelle nous disons il est très important que dès le début, nous prenons conscience qu'à travers ce prophète, Dieu a transmis des messages à son peuple. Voilà. Vous avez des choses à rajouter? Oui, Clémentine. Je vois aussi, du coup, enfin, dans cette histoire, enfin, quand on lit les premiers chapitres, on voit aussi tout l'amour de la sœur de Moïse et de sa maman qui est prête à tout, du coup, juste à se séparer de lui pour que lui puisse vivre. Et je trouve ça aussi beau de voir que finalement, il a grandi dans cet amour-là et ça a un impact, en fait, dans sa vie. C'est un impact dans sa vie. Voilà. Alors, si vous continuez juste avec moi le verset 11 et 12, vous allez remarquer quelque chose, allons dire, de négatif au tout début. Et c'est important pour nous de connaître cela. En ces jours-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans le sable. Voilà. On va voir aussi Exode 4 tout à l'heure par rapport à son caractère, est-ce que ça a évolué, ou Exode 32, mais juste par rapport à ce verset 11 et 12 là, qu'est-ce qui s'est passé au tout début de la vie de Moïse ici? Déjà, je pense que, d'après moi, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice. Donc, il veut se battre, mais il a fait une erreur de tuer quelqu'un. Mais tellement l'amour du prochain et qui n'accepte pas l'injustice, donc il a mal agi quelque part. Merci, mais Filana. C'est quand même une qualité chez lui. Voilà. Merci, Filana. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, mais il a péché, tu ne commettras pas de crime, donc il l'a fait. Hein. Et il est aussi intéressant de remarquer que dans les récits qui nous présentent la vie de Moïse et ses liens avec le peuple d'Israël, les spécialistes croient voir en Moïse des traits qui montrent qu'il avait un tempérament colérique et mélancolique. Alors qu'est-ce que cela m'enseigne? C'est que Dieu m'accepte
avec le bagage que j'ai, ce que j'ai vécu dans mon enfance, ce que j'ai connu comme événement, il m'accepte. Et son projet me prend et me comprend dans ma destinée. Mais quel que soit le caractère que je développe, le tempérament qui est au fond de moi, Dieu m'accepte comme il a accepté Moïse. Il l'a amené dans ce merveilleux projet avec lui. Un projet. Allons continuer à lire. Est-ce que je peux vous inviter maintenant de lire Exode 4, le verset 10 à 18. Nous allons découvrir le personnage de Moïse. Nous avons posé les contextes. Nous arrivons au chapitre 4, verset 10 à 18. Est-ce que je pourrais vous demander, Clémentine, est-ce que tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît ? Alors, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, et ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras des paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Je parlerai pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pendant pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Merci beaucoup, Clémentine. Là, Moïse, David parlait d'un cheminement qu'il a commencé déjà avec Dieu. Là, Dieu l'a accepté. Il a commis le péché. Et puis, là, il est avancé là. Et nous arrivons au chapitre 4. Qu'est-ce que vous voyez de Moïse ici ? Comment vous définissez un peu Moïse ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, soit il est un grand timide, ou soit il a réellement une difficulté, voire peut-être un handicap. Parce qu'on peut éventuellement essayer de comprendre c'était quoi finalement cette faiblesse, hein, parce qu'il va le dire tout au long de sa vie, on peut le voir dans la suite, dans Exode, voire même ailleurs. Voilà, il le vit avec, et ça déjà, pour moi, ça me conforte en toute humilité. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie les gens qu'il appelle. Donc c'est extraordinaire. Donc on peut venir à lui. Moïse est venu, c'est vrai, avec ses doutes, ses craintes. Et tout de suite, le Seigneur, l'Éternel, plaça Aaron à ses côtés, qui devint quelque part son porte-parole, dirions-nous aujourd'hui. Intermédiaire. Pour rebondir sur ce que tu dis, Jarvis, Moïse présente des éléments, des alibis qui sont légitimes. Parce que selon les recherches, il semble que Moïse était bègue. Et selon ce que je comprends et ce que me dit la parole, c'est quand Dieu lui adresse, il lui dit que je sais qu'il parle bien. Donc, Moïse, on peut penser qu'il est un peu peur de cette mission, mais il va chercher des éléments pertinents pour dire non, on voit quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas parfois mon attitude par rapport aux demandes de Dieu, oui, par rapport à ses invitations? Est-ce que je ne cherche pas des éléments concrets pour dire, Seigneur, désolé, au revoir, Philana. Vas-y, Philana. C'est vrai, tu as posé cette question au début. Oui. Est-ce que l'histoire inspirée, pourquoi, parce que des fois, on se demande pourquoi on étudie la Bible, pourquoi on doit étudier l'histoire alors que c'est déjà passé. Mais en fait, l'histoire, ça ne reste pas une histoire. L'histoire inspirée de Dieu, c'est pour nous apprendre, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Et quand nous avons parlé de Moïse, Dieu a choisi Moïse pour porter parole. Et je rigole un peu parce que je pense à moi, quand j'étais jeune fille dans l'église, on me demande de prêcher ou faire quelque chose. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? J'arrive pas. Et quand j'étais jeune, je me disais, je ne vais jamais me marier avec un pasteur, jamais, jamais. Et quand Dieu m'a appelée,
j'ai dit waouh, c'est ça me fait penser à Moïse en fait, que c'est pas toi qui choisis ta destinée, Dieu a un plan pour toi. Ce que tu fais, c'est d'accepter et Dieu va te qualifier. Voilà. Dieu nous aime tel que nous sommes. Oui, Clémentine, tu veux dire quelque chose? Oui, c'est aussi finalement l'authenticité de Moïse qui dit il est aussi vrai avec Dieu de se dire là je vais vraiment te montrer qui je suis. Ben, c'est pas possible, aide-moi. Et je trouve que des fois c'est aussi beau de se dire on peut être comme ça avec Dieu, de se montrer vraiment qui on est vraiment. Et du coup Dieu va nous montrer pourquoi il a voulu ce plan pour nous et comment il va aussi le faire. Merci Clémentine. Ah, j'aime bien particulièrement, avant de céder la parole à Jarvis, la parole quand Dieu dit « Je serai avec ta bouche ». Et ça, c'est beau parce qu'il y a l'humilité, la timidité, le blocage. Et je crois qu'il y a un verset même, Dieu dit « Qui a créé la bouche ?»« Je serai avec ta bouche ». Oh, Jarvis, tu as quelque chose à dire? Oui, je vois que le texte biblique va jusque dans les détails pour montrer ce soutien de Dieu, même dans les mots. C'est vrai que, comme David disait, on essaye de comprendre un petit peu cette faiblesse. En tout cas, il est dit qu'il est un homme qui n'a pas la parole facile. Mais dans le texte hébreu, c'est kaved. Le mot kaved, c'est avoir justement cette bouche ou cette langue pesante. Mais je note aussi que le mot gloire de Dieu, kavod, vous voyez, il y a juste une différence, c'est une voyelle. De kaved, on arrive à kavod. Et ça me rappelle ce que Paul dira dans le Nouveau Testament. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est là en Christ. Que je suis fort. Donc, vous voyez que lorsque j'ai le kaved dans ma vie, j'aspire au kavod de Dieu, la Amen. Gloire de Dieu, et c'est lui qui me transforme. Alors, je peux peut-être vivre avec un handicap, avec une faiblesse, qui sera transformée, littéralement transformée par cette gloire de Dieu dans ma vie. Gloire soit rendue à Dieu. Car la puissance du Christ s'accomplit dans notre faiblesse. Il y a un autre texte aussi, parce que nous sommes en train d'étudier un peu Moïse, Exode 32, versets 30 à 32. Alors, est-ce que je peux demander à Philana de nous lire ça, par exemple? Exode 32, le verset 30 à 32. Exode 32, verset 30 à 32. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Merci, Philana. Qu'est-ce que ce texte-là nous dit sur Moïse, son cheminement? Vous vous rappelez au départ, tout son cheminement. Et là, nous arrivons au chapitre 32 du livre d'Exode et nous voyons Moïse en train de prier pour le peuple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est profond dans le comportement de Moïse, hein? Oui. Clémentine, tu veux dire quelque chose? Oui. Oui. Du coup, oui, on voit aussi, comme on a vu l'amour qu'il avait eu quand il était petit, j'ai l'impression de revoir du coup cet amour-là, de se dire il est prêt à tout pour le peuple. Et de dire qu'il aime tellement qu'il va pouvoir le donner. Et comme aussi ce sentiment de justice, il a besoin de cette justice-là. Mais il va vraiment, des fois, dans des comportements peut-être à l'extrême. Mais là aussi, on voit vraiment sa personnalité. Il va à l'extrême de dire, enlève-moi carrément. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Oui, David ? Oui, et je vais dans la même lignée que Clémentine. Et en préparant cette leçon, je n'ai pu m'empêcher de faire un parallèle. Alors, j'y arrive. Moïse, c'est l'un des pères fondateurs, ce n'est le principal père fondateur du peuple d'Israël. C'est un chef religieux, mais c'est un chef politique. Et il est intéressant de voir dans Ésaïe 46, versets 9 à 10, je vous invite à le prendre rapidement. Ésaïe 46, mm-hmm.
Isaïe 46, verset 9. Attendez. C'est bizarre. Voilà. Versets 9 et 10. Alors je lis. Souvenez-vous des choses passées depuis longtemps, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Dieu et personne n'est semblable à moi. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver, d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon mépris ne se réalisera pas. J'accomplirai ce qui me plaît. Là, c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur Isaïe, pour revenir à ce travail de mémoire, à la notion de mémoire dont je parlais. Isaïe va annoncer le Messie. Ce Messie qui est une figure de Moïse, puisque Moïse va représenter un peu le Christ d'une certaine façon, c'est cette même sensibilité que nous avons dans le Jean au chapitre 17, où Jésus, dans sa prière, va présenter sa mission et ceux qui doivent bénéficier de sa mission. Il les met en avant, il les met en évidence. Et sa fonction de sacrificateur, sa fonction de médium, sa fonction de prêtre, l'amène à mettre en avant ce qu'il doit protéger. Et je vois en Moïse les prémices qui vont annoncer le Messie annoncé. Car Moïse est un prophète, mais le prophète qui annonce, le prophète par excellence, qu'est Jésus-Christ. Et c'est vrai que j'anticipe un peu, mais je vois un peu de christologie, je vois un peu de la présence de la personne du Christ dans l'attitude de Moïse. Cette attitude qui ne se met pas en avant, mais qui vit aussi pour l'autre. Et c'est peut-être une invitation pour moi à vivre un peu pour l'autre, un peu plus pour l'autre. Merci. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est prêt. Hein, merci David. Vivre pour l'autre, et comme Clémentine a bien souligné, c'est justement aller presque à l'extrême. Être prêt à mourir pour que les autres soient sauvés. C'est vraiment le Christ, c'est vraiment une abnégation extraordinaire. Alors, allons maintenant, on a fait le tour un peu sur Moïse, on aura l'occasion tout au long du trimestre à étudier sur lui. J'aimerais vous inviter à aller dans le chapitre premier maintenant et comprendre un petit peu le verset premier jusqu'au verset 8 de Deutéronome, chapitre premier. Là, nous entrons vraiment dans le livre maintenant. Deutéronome, chapitre premier, verset premier jusqu'au verset 8. Et j'aimerais bien vous inviter à lire attentivement cette première partie qui nous est très importante maintenant, parce que nous entrons dans le livre. Deutéronome, chapitre premier, verset premier jusqu'à 8. Quelqu'un voudrait bien lire pour nous? Telles sont les paroles que Moïse adressa à tout Israël en Transjordanie, dans le désert, dans la plaine aride, en face du Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizarad. Il y a 11 journées depuis l'Horeb, par le chemin de la région montagneuse de Séir jusqu'à Kadesh-Barnéa. Dans la 40e année, le premier jour du 11e mois, Moïse parla aux Israélites exactement comme le Seigneur le lui avait ordonné. C'était après qu'il eut battu Sichon, roi des Amorites, qui habitait à Eshon, et Og, roi du Bashan, qui habitait à Ashtaroth et à Edrei. En Transjordanie, au pays de Moab, Moïse décida d'expliquer cette loi. Il dit: à l'Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit: vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Repartez, entrez dans la montagne des Amorites et chez tous leurs voisins, dans la plaine aride, dans la montagne, dans le bas pays, dans le Négev, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Regarde, j'ai mis le pays devant vous. Entrez-y. Prenez possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leur descendance après eux. Merci beaucoup, Jarvis. Voilà, je vous invite à aller au verset 3 avant que je pose la question. Quelle est la signification du fait que Moïse partage la leçon d'histoire inspirée trouvée dans le livre de Deutéronome le 11e mois de la 40e année? Comment peut-on comprendre cela? Peut-être pour nous donner un indice de cela, c'est d'aller dans Nombre chapitre 14
Et parce que voilà, on sait qu'ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Et c'est très significatif pour nous, 40 ans, 11e mois de la 40e année. Et peut-être dans Nombre chapitre 14, le verset 26 à 34, nous aurons des éléments qui vont nous faire comprendre un peu le contexte du moment, du timing où Moïse va faire ce récit. Il serait peut-être important pour nous aussi de lire cette partie-là. Nombre chapitre 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 34. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui vous avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai rentrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants paîtront 40 ans dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Jusqu'à 34 ? Oui, jusqu'à 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Voilà. Voilà ce qui s'est passé 40 ans à l'avance. Il va rappeler l'histoire. Alors pourquoi c'est significatif maintenant, le 11e mois de la 40e année, que Moïse va rappeler cette affaire-là, ce qui s'est passé il y a 40 ans. Parce que là, oui, voilà. Oui, alors j'ai essayé de me pencher sur cette question que tu nous as proposée. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai lu dans Isaïe qui dit que ma parole ne reviendra pas à moi avant d'avoir réalisé son effet. La parole de Dieu peut être vue comme un messager, un héros, comme on aime dire. Rappelons-nous que les enfants d'Israël ont vécu durant plus de 430 ans en esclavage dans le désert. Et quand en Égypte. En Égypte, merci. Oui. Quand ils vont faire ce cheminement, c'est un peuple, mes amis, sans émettre de jugement hâtif, qui a été aliéné, qui a perdu son identité propre, mais son identité culturelle, son identité cultuelle. Donc, ils doivent redécouvrir ce Dieu qu'ils ont oublié avec les effets du temps. Et ce qui est dur dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression de voir un Dieu qui est quand même assez incisif. Certains même diront qu'il est violent. Mais dans ce cheminement, il y a toute une formation qui est mise en place. Il y a toute une pédagogie qui est proposée. Mais le peuple va souvent en faire à sa tête. Rappelons-nous des épisodes à Mara. Et pourtant, ils ont connu des choses extraordinaires avec la nuée, avec la colonne de feu, avec le passage de la mer Rouge. Mais on a du mal à se débarrasser de ces vieux démons. Et quand il sera proposé à ces espions d'entrer, ils se laissent envahir par la peur. Il se laisse envahir par l'impossibilité de la chose. Seulement Joseph et Caleb vont faire preuve de foi. Oui, Josué et Caleb. Et c'est tout à fait logique que Dieu va dire que c'est uniquement ceux-là qui vont entrer. Et rappelons-nous, nous sommes dans la dernière partie des 40, les 40 dernières années de la vie de Moïse. Et l'oracle doit se réaliser. Ils doivent entrer. Et c'est tout à fait normal et logique de reconnaître que la parole qui était annoncée au préalable se réalise. Merci beaucoup, David, de nous avoir rappelé cela, la réalisation déjà de la prophétie qui a été dite 40 ans à l'avance. Et nous sommes à la 11e mois de la 40e année. Donc nous voyons donc que voilà, Dieu est fidèle à ce qu'il a dit, à ce qu'il a promis. C'est significatif, cette annonce. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Justement, je me posais la question.
en fait, Dieu ne change pas. Son plan pour nous ne change pas, c'est toujours le même. Mais par rapport à notre réaction ou notre comportement, que les choses devient facilement. Parce que en tant qu'être humain, on dirait que nous sommes en train de rendre la tâche difficile, alors que Dieu est déjà, il a déjà un plan. Et ça me fait réfléchir. Oui. Parce que là, voilà. Dieu va dire, entrez maintenant, prends possession maintenant. Mais avant cela, Moïse va quand même rappeler ce qui s'est passé il y a 40 ans, peut-être dans le but justement de ne pas répéter l'histoire. Le travail de mémoire. Parce que si à ce moment-là, ils vont douter encore, comme nous avons lu Clémentine tout à l'heure, sur, ils ont murmuré, donc ils ont douté. Moïse va rappeler ce qui s'est passé il y a 40 ans. Nous voyons la réalisation de la prophétie, nous voyons aussi les 40 ans dans les déserts. Si je vous pose la question maintenant, nous avons dit que Dieu est amour. Nous avons vu dans les leçons précédentes, Dieu est amour, Dieu nous conduit. Est-ce que si je vous dis, est-ce que ces 40 ans dans les déserts, là, quand nous lisons en nombre 14 tout à l'heure, un jour, c'est l'équivalent d'une année, 40 ans dans le désert, est-ce que ça représente la finesse de l'amour de Dieu aussi? Qu'est-ce qu'on peut dire que ces 40 ans de vivre dans les déserts montrent quand même, dans l'histoire même, quand nous lisons Deutéronome, tout, est-ce qu'on en sent que ça fait partie de l'amour de Dieu? Vous voyez un peu, hein, tu parlais de Josué et Caleb, les 10 espions, et puis en disant, nous n'allons pas, nous n'allons pas. Après, quand il leur a dit, nous allons revenir en Égypte, et donc Dieu dit, non, vous allez maintenant dans les déserts. Est-ce que ça fait partie de l'amour de Dieu aussi? Oui, l'expression de l'amour de Dieu dont tu parles, je le vois aussi dans le texte, et je n'ai pas précisément en tête, mais durant ces 40 ans de cheminement, le texte nous rapporte que leurs chaussures ne se sont pas usées, les vêtements n'ont pas connu la violence du climat et pour se détruire, mais qu'il y a une protection permanente durant ce cheminement, malgré leur rébellion. Et cela, c'est extraordinaire de voir que Dieu nous accompagne, malgré le fait que David soit vilain parfois, malgré le fait que David se laisse envahir par ses penchants, il se laisse glisser parfois dans la tentation, et pourtant, Dieu m'accompagne. Voilà, tu parlais de vêtements qui tenaient pendant 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le désert qui montrait vraiment que même si Dieu permet cette épreuve, il était là. Il était là, oui, Clémentine. Oui, il était là, et c'est aussi, ça leur a... Enfin, Dieu, il a aussi la vue d'ensemble, et du coup, il a pu voir que... Enfin, tout le bénéfice que ça aurait pu avoir. C'est vrai que j'imagine que, ben voilà... On peut se dire, ben, c'est compliqué, c'est difficile, mais voilà, il y a toujours ce Dieu d'amour qui est là et qui montre que, ben, il avait un plan et que c'était pas juste, voilà, une errance pour une errance, mais qu'il y avait du coup un projet derrière et que c'était de dire, ben, il faut que je vous montre qui je suis vraiment et vous avez besoin de me retrouver moi et de vous retrouver. Donc, ben voilà, cette errance, elle est là pour ça. Alors Albert Müller nous dit ici, Dieu est arbitraire, c'est tout ou rien. Je vais répondre à la question, et puis peut-être nous aussi, hein, par rapport au fait que Moïse était porté par cette vision, vous l'avez rappelé, depuis le départ, depuis même la naissance. Hein, voilà que Moïse a été tiré des eaux, sauvé des eaux, retiré, et que maintenant, tout au long de sa vie, il a essayé de tirer le peuple vers le haut, hein, pour faire un peu écho au verbe tirer. Et voilà que maintenant, il arrive un petit peu... au bout peut-être de sa compréhension, parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir entrer en terre promise. Parce que pour moi, c'est à la fois une réalisation prophétique, mais aussi, je pense qu'on peut comprendre que dans le cœur de Moïse, il voit que il arrive aux portes, et on connaît aussi la scène où il va supplier le Seigneur, au moins, d'entrevoir ce pays de loin. Hein, parce que voilà, il aurait certainement voulu aussi fouler les pieds, voir ce pays où coule le lait et le miel. Donc je crois qu'avec Dieu, ce n'est pas forcément tout ou rien. Il y a effectivement le mal, le bien, ça d'accord, c'est tout de suite tranché. Mais dans la vie de chacun, il y a parfois des moments, comme Moïse, où il a supplié, on l'a lu tout à l'heure, où il a demandé le pardon, quand c'était pour le moment avec le péché du veau d'or, il a intercédé.
Donc ce rôle d'intercession appartient à la fois, et David l'a rappelé, à une vision, à une mission même qu'il avait, et on fait bien le parallèle avec le Christ qui intercède. Donc je crois qu'à tout moment, une porte peut à nouveau s'ouvrir. Mais c'est vrai que pour l'entrée en Canaan, c'était fini pour Moïse, parce que ça avait été dit que une première génération n'entrera pas. Mais il y a une autre. Donc vous voyez, même là, on ne dit pas que c'est fini, quoi. Il y a une autre, il y a une seconde chance qui est donnée à ce peuple avec Josué et les autres, Caleb, qui vont pouvoir, eux, réaliser cette prophétie. Merci, Jarvis. Il y a Germaine Caron aussi qui nous dit ici, Dieu savait que son peuple n'était pas prêt pour rentrer dans Canaan, car il fallait changer ce caractère si mauvais. Alors, en parlant de Josué et Caleb, comment se fait-il que les deux étaient autorisés à entrer alors ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est Josué et Caleb, qui fait que, voilà, ils sont... Vous avez noté que j'aimais beaucoup les mots. La signification est dans Deutéronome 1, à la fin du verset 2, avant que tu aies effectivement souligné la génération, la 40e année, le premier jour du 11e mois, juste avant, il y avait... Un lieu géographique qui est pour moi comme un poteau indicateur. Je pense que ça a été le GPS du peuple d'Israël tout au long des 40 années dans le désert, à part bien sûr la présence de l'Éternel. Mais Kadesh Barnea. Bar, en hébreu, c'est la parole. D'ailleurs, désert, Midbar, c'est là où il n'y a pas de parole, mais Dieu s'est révélé dans ces 10 paroles. Donc, cette sainteté de Dieu, et effectivement, comme Germaine dit, il y a eu une transformation. Ce pèlerinage du désert n'a pas seulement changé le caractère, mais changé le cœur, ou changé même de génération. C'est tout à fait. Une nouvelle génération qui entre maintenant. Mais pour moi, ce lieu Kadesh, qui signifie aussi sainteté, avec une parole, parce qu'elle était aussi peut-être en vagabondage dans le désert, mais maintenant, elle est posée. Deutéronome, c'est la deuxième parole, la deuxième loi, qui est quelque part rappelée à ce peuple. Donc je trouve ça magnifique, hein, que même dans les lieux, il y a comme un poteau indicateur qui dit ouais, c'est, maintenant vous y êtes, mais il y a eu toute une histoire et c'est le thème de la leçon. Merci Jarvis. Je vois un verset qui pourrait peut-être répondre aussi à notre question, pourquoi c'est Caleb et Josué ? C'est le verset 34 du chapitre 1er et c'est là que j'ai une question ici. Verset 34 du chapitre 1er, le Seigneur vous a entendu. Dans sa colère, il a juré, aucun homme de cette génération mauvaise ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Yefouné. Il le verra, lui, et je lui donnerai à lui et à ses fils le pays où il marchait, parce qu'il a rempli ses obligations envers le Seigneur. Dans d'autres versions, il dit, il a suivi pleinement la voie du Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est répété aussi dans Nombre 14, hein, 24. Il a suivi pleinement la voie du Seigneur. Ça veut dire quoi, ça? Peut-être cet élément va modestement nous permettre de cheminer vis-à-vis de ta question. Caleb et Josué sont les deux des 12 espions qui sont envoyés. Je vois la chose comme un tableau. Il y a un nombre de personnes précis. Mais dans ce nombre, tous doivent faire un choix. Et cela me rappelle un peu les jeunes Hébreux qui sont dans la plaine de Chinéa, dans la plaine de Douma, devant la statue du roi, et qui font un choix. Soit ils adorent la statue érigée par le roi, soit ils adorent Dieu. Et Caleb et Josué, pour moi, c'est l'expérience et l'exemple de la foi et de la confiance qui dépasse ce que je vois. Parce que Dieu m'a guidé. Il a été avec moi. Je préfère lui faire confiance. Même si je vois des géants et j'ai l'impression d'être des sauterelles devant ces géants, mais je préfère encore faire confiance à Dieu. Et Dieu récompense la confiance qu'on lui porte, comme il a fait à Josué et à Caleb. Merci David, d'être capable de voir même dans le désert, parce que
même s'ils avaient ça, ils ont quand même vécu les 40 ans dans les déserts. Mm-hmm. Mais là, donc, ils pouvaient voir au-delà et l'on suit. Alors, peut-être, nous arrivons presque à la fin, là. Je pose une dernière question. Quel espoir y avait-il pour la génération qui a péri dans le désert, alors? Parce qu'on sait qu'ils avaient peur pour leurs enfants. Les enfants sont arrivés. Les parents sont morts dans les déserts. Est-ce qu'on peut dire par là qu'ils sont perdus? Quel espoir y a-t-il encore pour ceux qui ont péri dans le désert? Connaissant Dieu. Je ne sais pas si ce que je vais te proposer va répondre à ta question. Oui. Je reviens de façon inconditionnelle à mon travail de mémoire. Mm-hmm. Et que je prends dans le Deutéronome au chapitre 6, au verset 4. Il commence depuis le verset 4. Écoute Israël, notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Et au verset 6, que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. C'est-à-dire, comment je lis ce verset? Je ne dois pas perdre de vue la présence de Dieu, son assistance, son secours, l'espoir qu'il est pour moi, pour pouvoir vivre et subsister dans ce monde dans lequel je vis. Et Jarvis est un amoureux des mots. Rappelons-nous que le terme « écoute », qui est « schéma » en hébreu, signifie « écouter », mais aussi à une dimension d'action. C'est « écoute et obéis », »,« écoute et agis », en ce sens. Donc, pour pouvoir rester dans le plan de Dieu, je dois toujours rester dans ce devoir de mémoire, comme au quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de celui qui t'a délivré, de celui qui t'a sauvé. Donc, si j'ai bien compris, il y a encore... ils sont morts dans les déserts, mais ce n'est pas fini. Mm-hmm. Croyons ça. Hein. Il y a une génération, je oui. crois, les enfants ou les petits-enfants. Les enfants puis entrer. Il y a Caleb et Josué aussi. Mm-hmm. Mais posons-nous des questions par rapport à ceux qui ils sont morts dans le désert. Est-ce qu'ils ont des espoirs aussi? Par rapport à la promesse qui a été dite, allons dire j'étais dans le désert, j'étais parmi ceux qui, le capricieux, le rebelle, j'irai pas là-bas, mais est-ce que j'ai de l'espoir encore? C'est là que je trouve beau le message de Moïse qu'on allait tout à l'heure. Parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas fouler Canaan. Mais est-ce que il va tout d'un coup monter la tête de la nouvelle génération en disant « Allez-y maintenant, suppliez pour moi. Moi, j'ai supplié pour vos pères pendant 40 ans le pardon de l'Éternel. Et voyez, moi, je suis aux portes. Peut-être que j'obtiendrai grâce. Alors, on va essayer de supplier une dernière fois pour moi parce que je suis vieux. » Pas du tout. C'est là que je trouve magnifique. Moïse continue sa mission jusqu'au bout et il transmet le flambeau. Exactement. Il sait qu'il y a une nouvelle génération qui va entrer. Son heure est finie. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Maintenant, je m'applique à moi pour Josué et Caleb. Ils sont entrés en Canaan, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont morts aujourd'hui. Ce Canaan, c'est pour moi le Canaan céleste. Je reprends hébreu, parce que pour moi, c'est ça, finalement, la signification. Ils sont tous morts, cette génération, comme avant nous, dans notre histoire contemporaine. Mais c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « C'est par la foi que Moïse va agir ainsi et telle fut la récompense. » C'est Hébreux 11 et on peut lire même au verset 24. Moïse renonça, on l'a vu tout à l'heure, à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité. Et plus loin au verset 26, « Car il regardait plus loin vers la récompense. » Vous voyez, donc... Il n'était pas arrêté sur la question uniquement de la terre promise. Il voyait la délivrance beaucoup plus loin. Je dirais même, il voyait certainement le salut ultime en Christ. Merci beaucoup, Jarvis. Et je pense que c'est ça la conclusion de notre étude. C'est ça. Même eux, ceux qui sont morts, eh bien, ils n'ont pas encore atteint la terre promise. C'est vraiment la Canaan céleste. Et nous sommes tous dirigés vers cela. Et en revenant vers ce Dieu, en ayant... totale confiance en lui, en pourquoi pas reconnaître ce qui n'a pas été bon dans le passé, demander pardon, eh bien, nous pouvons tous aspirer à cette vie éternelle. Que Dieu nous bénisse tous. Je voudrais juste souligner que
le fait de suivre à Dieu, c'est personnel. Donc, ce n'est pas question de démocratie où, voilà, les 10 n'avaient pas la foi, il n'y avait que 2. Mais quand on est avec Dieu, c'est personnel. Et le salut, c'est personnel. Donc, faisons l'expérience avec Dieu. Il va nous guider. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ben, je voudrais bien prier, mettre tout ça en prière. Oui. Seigneur Jésus, nous te remercions ce matin, notre Dieu, pour le privilège d'étudier la parole. Nous avons étudié le contexte de la vie de Moïse, les paroles inspirées, partagées pour nous aussi aujourd'hui. Nous faisons face à des tentations, nous faisons face à des difficultés dans notre désert à nous aussi. Et c'est indéniable. Mais nous savons que comme tu as porté ce peuple pendant 40 ans, tu as veillé sur leur nourriture, tu as veillé sur leur multiplication, même sur les chaussures et les vêtements. Nous voulons, Seigneur, ce matin, mettre notre confiance totalement en toi et mettre notre vie dans tes mains. Nous prions pour tous nos internautes qui nous suivent pendant toute cette leçon sur le livre de Deutéronome, que nous puissions grandir ensemble et apprendre de ta parole. Merci de nous bénir tous pendant ce sabbat. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci Franck. Merci à tous. Merci Franck. Je vous invite donc à clôturer. Merci. Dans chaque classe, l'école du sabbat n'est pas terminée. Nous allons d'une part regarder le flash missionnaire. Pour la collecte, il y a dans chaque groupe un sac. J'invite une personne à le faire circuler pour que nous reprenions notre habitude des offrandes de l'école du sabbat. Donc place au flash missionnaire. Emménager dans un nouveau pays peut être une expérience difficile. Nouvelle nourriture, nouvelle langue, nouvelle culture. Cela peut être accablant et même effrayant. Des adventistes de Corée du Sud veulent créer un lieu pour aider les personnes à s'intégrer dans le pays, pour qu'ils se sentent soutenus. Le Centre de Service Familial Multiculturel Adventiste est un centre d'influence urbain situé dans une zone diversifiée de la ville d'Anzhan, où de nombreux étrangers viennent travailler. La plupart d'entre eux ne savent pas parler, lire ou écrire la langue coréenne quand ils arrivent. Aussi, le centre offre des cours de langue coréenne gratuits. Plus de 400 personnes suivent ce programme chaque année. Il y a quelques années, le personnel du centre a élaboré un plan pour améliorer et étendre ses activités. Ce nouveau plan a permis d'offrir une expérience holistique aux autres membres de la communauté. Parmi les services les plus utilisés figurent les différents refuges du centre. Il s'agit notamment d'un refuge d'urgence pour les personnes sans revenus, ni logement, et de refuges collectifs pour les parents isolés. Les familles qui séjournent dans les refuges se voient offrir des repas gratuits ainsi que la sécurité. Plusieurs des étrangers ne savent pas comment fonctionne le système de santé. Aussi, le centre pourvoit des soins dentaires gratuits une fois par semaine et des soins de médecine générale une fois par mois. En plus, les touristes ont accès aux services de conseil. Grâce à la présence du centre dans la communauté, un certain nombre de nouvelles congrégations se sont formées dans une variété de langues. Des groupes se réunissent et pratiquent leur culte en russe, cambodgien, anglais, urdu, chinois et coréen. Ils ont été bénis avec une augmentation de 30 baptêmes en une seule année. Le centre met l'accent sur les enfants et les jeunes. Tout d'abord, un jardin d'enfants a été créé. Ensuite, un programme d'activité périscolaire a été créé pour les élèves du primaire. Les parents ont ainsi pu envoyer leurs enfants pour qu'ils bénéficient d'un soutien scolaire et d'une garde après l'école. Pour les parents qui devaient travailler tard, le centre a mis en place un programme de protection nocturne où les enfants étaient surveillés jusqu'à 9h du soir. L'Académie scolaire coréo-russe pour les élèves du primaire et du secondaire est particulièrement populaire. Plus de 60 élèves y sont inscrits.
le personnel du centre entrevoit de nouvelles et passionnantes possibilités de contact avec les familles, mais ils ont besoin de votre aide. Ce trimestre, une partie de la 13e offrande de Saba permettra de fournir d'autres services de soins aux enfants immigrés à Hansan, en Corée du Sud. Veuillez considérer ce que vous pouvez donner pour cette opportunité. Merci pour votre soutien par l'offrande du 13e Saba. Donc je redis, il y a donc un sac dans chaque groupe pour recueillir les offrandes d'école du sabbat. Et c'est vrai que nous voulons réintégrer cette dimension missionnaire dans nos études, comme Moïse d'ailleurs l'a fait, comme on l'a vu ce matin. Il était préoccupé quel message pour les peuples environnants aurait le fait d'une destruction du peuple, hein, après l'épisode des espions. Je vous invite à prier pour terminer cette école du sabbat. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta patience. Merci parce que tu utilises des hommes comme Moïse. Et de la même façon, tu veux nous utiliser chaque femme, chaque homme aujourd'hui pour un but particulier dans ta vision globale. Seigneur, donne-nous des témoins, de savoir transmettre un message compréhensible par ceux qui sont autour de nous, soit auprès de chaque membre ici présent, soit auprès de chaque personne sur Internet. Merci Seigneur pour ton projet d'amour, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été présent, merci aux animateurs, merci aussi à vous tous qui êtes avec nous en ce moment sur Internet. Bon sabbat.
chanter le grand amour. Immuable et fidèle, tu me conduis de jour en jour vers la vie éternelle. Chers amis, chères sœurs, chers frères, ce mois de septembre a vu se dérouler notre rencontre de rentrée dédiée aux responsables d'église et aux responsables de la jeunesse, communément appelée réflexion-action. Nous étions plus de 140 participants et cela nous a réjouis de nous retrouver si nombreux pour commencer l'année ecclésiale ensemble sous le regard du Seigneur. Particulièrement, les responsables jeunesse étaient nombreux, signe visible de la grande attente de nos jeunes de tout âge de se retrouver. Nous vous lançons donc un appel depuis la Fédération, mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que localement la reprise des activités jeunesse ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Ceci devrait être une priorité pour les comités de rentrée. Trop souvent, nos classes enfantines et nos activités du sabbat après-midi sont les parents pauvres en ressources humaines et en attribution de fonds. Prendre soin du bâtiment passionne les aînés et requiert parfois des sommes énormes. Pendant les périodes de confinement, quand nos lieux de réunion ont été fermés, vous avez été nombreux à réfléchir sur nos priorités et sur la belle famille spirituelle que nous composons. Ayons la volonté de réécrire nos agendas de vie d'église et de mettre en priorité ceux et celles qui ont le plus souffert de cette période compliquée. Certes, elle n'est pas finie, et nous exprimons toute notre solidarité envers ceux et celles qui en souffrent encore. Mais à l'heure actuelle, je vous rappelle que nous sommes autorisés à nous réunir pour nos activités cultuelles sans limite de jauge et sans passe sanitaire, en appliquant les gestes barrières, bien sûr. Nous sommes aussi autorisés, en appliquant quelques normes de santé, à reprendre les activités de jeunesse type scout. Ne laissons pas passer la possibilité de prendre soin des plus jeunes et des plus petits. Ces activités sont aussi l'espace pour renouer avec certains parents qui se sont éloignés de l'Église, mais aussi avec des voisins qui nous font confiance et nous confient leurs enfants pour cette période de l'après-midi.
Le week-end dernier, ont eu lieu deux rencontres de formation pour les chefs guides en fonction et les futurs chefs guides. Nous avons noté une participation vraiment exceptionnelle et nous voudrions remercier et accompagner de nos prières tant d'hommes et de femmes de nos communautés qui consacrent tant de temps et d'énergie aux plus jeunes. Ils font cela dans le cadre du bénévolat. Ils sont souvent en déplacement pour accompagner d'autres communautés que la leur et offrent aussi un service lors de rencontres fédérales ou dans le cadre des camps d'été organisés par l'Union. Merci à leur esprit de service et à la vocation missionnaire qui les habite. J'ai pu personnellement, lors du week-end Réflexion Action, animer un atelier sur la prière. Et j'ai été ému et encouragé par les questions et les témoignages que j'ai entendus. Que le Seigneur bénisse notre belle jeunesse et ses responsables, et qu'il fasse de nous, adultes, des instruments et des soutiens utiles dans leur parcours de vie et de foi. Puisque nous parlons des plus jeunes, je vous présente le kit Bienvenue les enfants, qui est un instrument du label Bienvenue les enfants. Cette magnifique initiative nous aide à repenser nos rencontres afin de les rendre accueillantes et adaptées aux plus petits. Merci à Frédéric Dinsenmeyer et Céline Mathieu du ministère des enfants pour cette belle initiative. Je vous invite à visiter notre site fédéral pour plus d'informations. Les kits pour les églises sont disponibles à la Fédération. Je viens de parler à plusieurs reprises des normes de santé publique appliquées à notre vie d'église. En relisant le chapitre 13 du Lévitique, j'étais frappé par les normes que le Seigneur dicte à Moïse sur la gestion de la lèpre et d'autres maladies au sein du peuple d'Israël. On y parle de quarantaine, d'isolement, de contrôle de l'état des malades par les Lévites et de normes d'assainissement, et la liste est longue. Selon certains historiens, c'est peut-être dans l'histoire humaine la première fois que l'on parle de quarantaine ou de septaine dans le cadre de ce récit précis. J'en appelle à notre bon sens, à notre prudence et à notre respect des bons conseils qui entourent nos réunions. Attention à toute bravade spirituelle, inutile et néfaste, comme si le virus n'existe pas ou ne contamine que les moins méritants. Ces comportements devraient être bannis et combattus au sein de nos communautés. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25, nous lisons « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Selon l'auteur, parce que le jour s'approche, c'est-à-dire le retour du Seigneur, nous devrions nous encourager à l'amour fraternel, aux bonnes et belles actions, à des entreprises façonnées avec bonté pour témoigner de l'amour du Maître. Nous devrions, dit encore l'original grec, nous retrouver pour nous consoler, nous encourager, nous fortifier, nous réconforter. C'est bien plus que faire acte de présence au culte. Encore une fois, ce n'est pas devant mon écran que je m'épanouis et mets au service des autres le don ou le ministère que j'ai reçu de Dieu. Dans le livre « La tragédie des siècles », au chapitre « Le temps de détresse », page 669, Ellen White écrit « À l'approche du temps de détresse, le peuple de Dieu devra faire également tout ce qui est en son pouvoir pour gagner les bonnes grâces du public, pour désarmer les préjugés et détourner le danger qui menace la liberté de conscience. » Quel beau défi que de désarmer les préjugés et d'agir pour témoigner de la légitimité de nos intentions. Elle nous invite à une action intelligente, respectueuse et bienveillante.
Avant de nous quitter, laissez-moi vous présenter deux nouveaux outils au service de nos communautés. D'abord, la boutique vitrine que vous pouvez trouver sur le site de la Fédération. Cette boutique en ligne vous rappelle les différents produits et productions élaborés par la Fédération au service des églises. Livres, jeux, fichiers vidéo, formations, et vous aide à vous les procurer. Par exemple, le livre « Multiplication des disciples » du pôle Mission, ou le livre sur la sexualité du pôle Éducation. Le pôle Éducation vient de mettre à votre disposition un nouveau jeu appelé « Héros et vilains ». Encore une façon pratique et ludique de jouer en famille avec le récit biblique. Une façon originale et amusante de commencer le sabbat en famille autour du monde de la Bible. Le deuxième outil est le manuel du communicant, réalisé par Marianne Penner et son équipe avec les responsables de la communication de la Fédération France Nord. C'est un manuel très pratique pour toutes les églises, quelle que soit leur taille, afin de communiquer de façon claire, actuelle et pertinente notre foi et son vécu. Je conclus avec cette promesse du Christ, notre Maître et Sauveur, Matthieu 18, verset 20. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Knott et Yves et Sylviane Santi pour la version française. La grâce persistante. Nous mesurons presque tout dans la vie par des grands moments. Le jour où je me suis marié, la semaine où j'ai commencé ce nouveau travail, cet instant où j'ai sauté de l'avion pour mon premier saut en parachute. Aussi mémorables qu'ils soient, les grands moments ne sont pas la véritable substance de nos vies. Ce sont les années de mariage qui ajoutent de la valeur, le travail honnête qui apporte de la satisfaction mois après mois, les amis qui nous accompagnent au fil des ans et qui partagent nos jours ordinaires. La vie de foi est aussi comme cela. C'est le quotidien de la prière qui construit nos joies et notre endurance. Les heures de profonde ouverture où l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs. La confiance se construit par le temps et la distance partagée. Des milliers de kilomètres de voyage sans drame avec Jésus valent bien plus que des moments brillants et éclatants. J'ai combattu le bon combat, nous dit l'apôtre Paul. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Paul savait qu'il y a une grâce à chaque marquage au sol, chaque panneau indicateur, chaque carrefour. Continuez à courir ou à marcher avec Jésus aujourd'hui et restez dans la grâce. Et la bienvenue ce matin, et aussi vous souhaiter un très bon sabbat sous le regard de notre Seigneur. Concernant la vie de notre Église, je vais d'abord inviter Pierre à venir pour parler de l'ACAT. Bonjour à chacune et à chacun. Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas revenir tous les 15 jours vous solliciter, c'est exceptionnel. On reprendra le rythme mensuel de nos cartes à l'ACAT.
quelqu'un que j'aime beaucoup m'a fait remarquer dernièrement que quand je viens vous solliciter, ce serait bien que j'essaye de vous sourire un peu plus. Alors voilà, je vous souris et en même temps partage avec vous une bonne nouvelle. Demain, ou aujourd'hui, mais je crois demain, c'est la journée internationale contre la peine de mort. Et aujourd'hui, le président de la République de Sierra Leone a annoncé que la peine de mort était abolie dans son pays. Sinon, pour aujourd'hui, je veux vous demander de bien vouloir écrire à un ministre du Maroc. Un ministre du Maroc pour attirer son attention sur Mohamed Lamine Hadi. Mohamed Lamine Hadi est un homme du Sahara occidental. Le Sahara occidental est coincé entre le Maroc et l'Algérie et depuis de longues années, la situation politique est difficile dans ce pays. Enfin, ce qui voudrait être ce pays. En octobre et novembre 2010, comme de nombreux Sahraouis, Mohamed participe au camp de Dem Izik. Cette mobilisation vise à dénoncer les discriminations dont les Sahraouis s'estiment être victimes de la part du gouvernement marocain. Le 8 novembre, ce camp est violemment démantelé par les autorités marocaines. Des policiers marocains sont tués. En novembre 2010, Mohamed est arrêté alors qu'il était absent le jour en question, le jour où il y a eu des morts. Mais il est arrêté et comme des centaines d'autres, il est fait prisonnier. Il a été jugé, il a subi des mauvais traitements, il a été torturé. Il a été obligé de signer des aveux et puis il a été jugé et condamné à 25 ans de prison. Puis il a été mis à l'isolement. En décembre 2020, tous ses effets personnels lui ont été confisqués. Mohamed, de guerre lasse, a entamé une grève de la faim. Mais on ne lui a pas laissé continuer sa grève de la faim. On l'a nourri de force. Mohamed est toujours en prison. Son état médical est de plus en plus difficile. Donc on nous demande de bien... Sa famille n'arrive plus à le voir, à communiquer avec lui. Il n'y a plus rien. Donc on nous demande de bien vouloir écrire au ministre marocain chargé des droits de l'homme et on lui demande de bien vouloir se pencher sur la situation de Mohamed. Je serai à la sortie et je vous donnerai, à ceux qui le désirent, la carte nécessaire. Et ceux qui sont derrière leur écran peuvent trouver sur le site de la CAT le document nécessaire pour écrire aussi au Maroc. Merci. Merci Pierre. J'invite aussi Giuliani à venir nous parler du projet au sujet de nos enfants. Alors, cher Sabah, vous êtes plusieurs à m'envoyer vos coloriages. Ces dernières semaines, le temps de parole aux enfants était axé sur un texte des Proverbes qui disait que Dieu nous parle d'une certaine manière et puis d'une autre, et on n'y prête pas toujours attention. Il y a deux semaines, David nous avait invités à regarder peut-être les chiffres, à y mettre peut-être une autre valeur. Ce n'est pas toujours un casse-tête où il faut faire des calculs, il y a peut-être de belles choses à voir dans les chiffres. Et on a reçu un coloriage, un peu en retard, mais on voulait vous le montrer, d'Émilie, qui nous a envoyé son dessin. Et la semaine dernière, c'était Raquel qui nous racontait, avec l'aide de sa fille, l'histoire de ce poisson qui n'arrivait pas à voir la beauté de son étang ou de son lac. Il voyait toujours ce qu'il y avait en dehors et il n'était pas très satisfait du cadre dans lequel il était. Et qu'en fait, il fallait juste ouvrir un peu plus grand les yeux pour voir ce qu'il y avait autour de lui, pour apprécier. Donc merci à tous les enfants qui nous ont envoyé leur coloriage. Donc j'ai Émilie de nouveau. Merci beaucoup.
on a Elinora et sa sœur Maëlie. Et la dernière, Zoé. Les trois filles nous envoyaient régulièrement leur coloriage avant les vacances, donc nous sommes contents de les retrouver parmi nous. Merci à Daniela, à William, merci à Erwan, à Joshua et à Ben. Donc les... Et merci à Naël qui n'avait pas la feuille mais qui avait beaucoup aimé l'histoire et qui du coup a dessiné le poisson de l'histoire. Donc moi je reconnais vraiment bien le poisson de la vidéo avec sa grande bouche. Donc merci beaucoup Naël d'avoir aussi participé en envoyant ton dessin. L'affiche est accessible à tous, c'est sur notre site internet. Vous pouvez faire les coloriages quel que soit votre âge, même les adultes. On a eu un adulte là parmi. Si vous avez envie de colorier, sentez-vous libre ou de nous envoyer une illustration. Et pendant la semaine de prière, nous allons aussi proposer des fiches aux enfants. Donc, Franck va en parler aussi, mais nous vous invitons à venir en famille et nous aurons quelque chose pour les enfants pendant cette semaine. Ah, et la nouvelle fiche, pardon. Donc, Raquel revient ce sabbat et nous allons démarrer un nouveau thème. C'est tiré du texte de Matthieu au chapitre 5, versets 13 et 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Donc, tout à l'heure, je vous inviterai à découvrir la nouvelle histoire. Merci beaucoup, Giuliani. Justement, donc, je vous invite donc à être attentif à notre bulletin d'annonce. Je vais juste souligner quelques points qui nous concernent pour cette semaine. Nous allons commencer tout à l'heure la semaine de réflexion biblique. Les prédications des deux sabbats, d'aujourd'hui et sabbat prochain, seront donc assurées par le pasteur Bruno Vertalier, ancien président de la division. Et si vous avez reçu le bulletin d'annonce aujourd'hui, vous avez eu votre marque-page que vous pouvez toujours demander. Vous allez avoir tous les titres de chaque soir, à partir de ce matin et à partir de demain. À 10h45, il y a aussi le culte contact, prédication par Victor Rassouanève. À 10h45, à Lola, culte Oasis avec Cornel Servan, adjoint JA de la Fédération France Sud. Et nous allons rappeler aussi qu'à 16h à Lola, nous allons voir le goûter théologique, penser la création avec la participation de 4 théologiens, Yvon Bourquin, création et nouvelle création, une lecture existentielle, Lucas Marulli, recentrage théologique et spirituel, la foi écologique. Nous allons avoir aussi Marcel Ladislas avec nous, vers un monde plus anthropique, l'espérance de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et nous allons avoir aussi notre doyen Gabriel Monet, l'humain, créature au sein de la création, entre vulnérabilité et responsabilité. Alors, passe sanitaire demandé. À 17h, il n'y aura pas de rencontre EDS+, aujourd'hui, à cause du goûter théologique. Et le mercredi, nous avons aussi notre réunion de prière sur Zoom. Vous avez les coordonnées sur le bulletin d'annonce. Et samedi prochain, 16 octobre, à 14h30, c'est la reprise des activités JA, Bourgeon, Tison, Explo et Ambassadeur. Et vous pouvez consulter le site de la jeunesse pour avoir les détails, l'inscription et le planning. Concernant les mouvements des membres, les votes seront faits samedi prochain, 16 octobre. Alors, au niveau des sorties, il y a Senda et Isaac da Silva pour l'église de Nantes. Et pour les entrées, il y a Felana et Franck Rakutuzafi de l'église de Mitrimori de Paris. Il y a aussi pour les entrées Andrea de Jésus Martin et Victor Xavier Ibanez Garcia de l'église de Aitona en Espagne. Donc voilà au sujet des sorties et des entrées. Et donc pour le reste, je vous laisse consulter le bulletin d'annonce. Maintenant, nous allons nous préparer dans le recueillement pour le culte.
invite à vous lever, s'il vous plaît. Je te célèbre de tout mon cœur. Je psalmodie en ta présence, en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as répondu, tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. Tous les rois de la terre te célébreront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils chanteront selon les directives de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit ce qui est abaissé et reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel, ta bienveillance dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Le récit de la Genèse me permet de comprendre que je dispose de sens. Louis, je peux écouter les oiseaux chanter et les sons mélodieux des instruments. La vue, je peux voir, entrevoir vos merveilleux visages. Et vous, au-delà de votre petit écran, vous pouvez voir nos visages qui vous transmettent ce sourire. L'odorat. Oh, je peux sentir les parfums exhalés dans ce jardin. Vous pouvez aussi sentir le parfum de vie qui émane du trône de Dieu. Goûtez. Je peux goûter et voir combien le Seigneur est bon. Touchez. Tout en respectant la distance sociale, je peux toucher aussi avec le cœur. Mais aussi à la croix, les sens du Sauveur ont été vivement sollicités. Car il a même goûté au calice de la colère de Dieu. Mais ne restons pas dans cette atmosphère de mort qui nous amène à la victoire. Chantons. Combien Dieu a créé des choses extraordinaires. Remercions-le pour sa croix et faisons allégeance à l'agneau qui est digne de recevoir force, honneur et pouvoir. Quand mes yeux voient ce que tu as créé. Mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce tu as créé, mes lèvres veulent te jouer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler.
tu as créé. Je les revois leur te louer. Merci pour la croix. Nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous dit, je t'aime tellement que je suis prêt à donner des hommes pour ta vie. Et il a fait de nous des vases, des réceptacles, pour que nous puissions recevoir son amour, nous remplir de son amour et le répandre autour de nous. Vase d'argile. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce à me ramenant de la mort à la vie.
Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie, grâce pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant. Jeté à la croix grâce à son dard. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Je suis enfant.
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, la richesse, la sagesse au siècle des siècles, car c'est par ta volonté que nous existons et nous te louons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons chanté ta gloire, Seigneur, et nous reconnaissons, Jésus, qu'en donnant ta vie pour nous, eh bien, tu es digne aussi de recevoir l'adoration. Nous voici ce matin conscients, Seigneur, de notre petitesse, de notre faiblesse, mais nous nous approchons du trône de grâce et nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour tous nos manquements. Nous avons la foi que, oui, tu as payé nos dettes, tu as donné ta vie, Seigneur Jésus. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Et nous avons la confiance, Seigneur, que tu nous pardonnes, tu nous libères. Ce matin aussi, nous venons avec un cœur rempli de reconnaissance, parce que tout est grâce. Si tu nous donnes le privilège ce matin de venir ensemble ici, t'adorer, Seigneur, te prier, écouter ta parole, voilà, c'est des bénédictions dont tu nous combles. Nous pensons à ceux qui sont avec nous aussi à travers l'écran. Nous sommes tous venus pour t'adorer. Merci Seigneur pour toutes les grâces, toutes les bénédictions dont tu nous avais comblés. Et ce matin, nous voulons amener vers toi nos requêtes. Nous prions pour notre pays, nous prions pour les dirigeants, les autorités civiles et religieuses. Et nous sommes là, Seigneur, pour prier pour qu'il y ait de la paix autour de nous, qu'il y ait de la joie, l'espérance, et pour que la bonne nouvelle de Jésus soit prêchée partout. Nous sommes là aussi pour te présenter nos malades, nos souffrants, ceux qui passent par des moments difficiles. Et nous avons la foi, Seigneur Jésus, que tu nous connais tous et tu peux nous relever, apaiser les souffrances. Merci de bénir, Seigneur, cette semaine de réflexion biblique qui va commencer ce matin. Merci d'être avec notre pasteur Bruno Vertalier, que ta grâce et ta paix soient avec lui, avec ton Église aussi. Nous allons vivre une semaine ensemble, Seigneur, que tu bénisses tout ce que nous allons faire. Voilà, Seigneur, notre prière que nous prononçons au nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Bonjour les grands. Qui va vous raconter l'histoire ce matin? Ce n'est pas moi, c'est Jean-Jacques. Il était une fois un garçon qui s'appelait Rémi et qui était très en colère. Il ne fermait pas les portes, il les claquait. Et quand il ne les claquait pas, il donnait des coups de pied dedans. Quand il était contrarié, il jetait tout par terre. Et quand maman lui donnait du lait à boire, il disait « Je n'aime pas le lait » et il le jetait par terre. Et il était puni et devait aller au coin comme d'habitude. À l'école, c'était pareil. Il était toujours en colère. Avec ses amis. « Ah, pourquoi tu me regardes, hein ?» Au football, il poussait tout le monde, les adversaires et même ses collègues, son équipe.
et le seul ami qu'il avait, il voulait faire de la lutte avec. Ouch. Un jour, papa de Rémi est venu et lui a apporté une surprise. « Voici un poisson qui te ressemble. »« Ah bon ?» Et le poisson, le nouveau poisson à peine venu, a commencé à se montrer très très en colère. Et il commençait à poursuivre les autres poissons, à les frapper et à détruire tout ce qu'il y avait dans l'aquarium. Rémi a pris le poisson et lui a dit « Mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas détruire ta maison et tu n'auras aucun ami. Et pourquoi tout détruire ? Juste parce que tu es fâché ? Tu vas rester là et attendre à te contrôler. » À ce moment, Rémi se rend compte que le poisson était comme lui, toujours en colère. Aïe ! Quelques temps plus tard, le poisson était devenu un autre. Un autre ? Oui, car papa a dû rendre le poisson colérique et en a acheté un très calme et très gentil. Et maintenant, Rémi a bien appris la leçon. À l'école, il est devenu calme, gentil et respecte ses amis. Même au football. Et il a même commencé à aimer le lait. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14, dit « Vous êtes le sel de la terre ». Vous êtes la lumière du monde. Vous savez, les enfants, on a beaucoup de remis dans le monde. Des jeunes garçons, des jeunes petites filles, qui parfois ils sont un peu méchants. Parfois ils font des choses qui ne sont pas bien. Et on dit, oh mais il est trop méchant. Mais là, vous avez vu, Rémi, il a pris la leçon. Parfois maman disait les choses, mais il ne comprenait pas. Parfois, les amis pouvaient lui dire des choses. Il ne comprenait toujours pas. Il était très fâché, tout le temps. Mais un jour, il a vu quelque chose. Et quand il a vu le poisson, il a dit, il faut que je change. Dans la vie, parfois c'est comme ça. On a un ami à l'école qui pousse tout le monde, qui est fâché, qui est méchant. Et parfois, on regarde, on dit, oh, il est trop méchant, je ne vais pas savoir de lui. Mais qu'est-ce que ce garçon, il a besoin ? Il a besoin d'un petit garçon ou une petite fille qui est le sel de la terre, qui est la lumière du monde. Cette semaine, le pasteur Bruno Vertali, il va parler sous les sens. Écouter, parler, goûter, toucher. Mais aujourd'hui, on a vu que Rémi, il a dû voir. Voir pour apprendre. Et ce matin, je vais faire un peu différent. Ce matin, je vais savoir ici si dans l'église, j'ai un petit garçon ou encore une petite fille, c'est de courage, hein, qui va venir ici avec moi et on va prier ensemble. Peut-être que les adultes aussi, vous connaissez un Rémi. Peut-être quelqu'un qui a besoin de connaître Jésus. Peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui ou pour elle. Et là, je fais l'invitation à un petit garçon ou une petite fille qui veut venir ici ce matin avec moi, mais c'est moi qui va prier. Est-ce que j'ai un petit garçon ici qui aimerait bien montrer Jésus ou parler de Jésus à quelqu'un ? Est-ce qu'il y en a un courageux, une courageuse ici ce matin ? Est-ce qu'il y en a ? Oui ? Tu viens ? Là, je sais de qui je parle. Hein? Est-ce qu'il y en a un petit garçon, une petite fille qui veut venir ? C'est trop dur de venir ici devant. Ah, je te vois, tu vas sourire pour moi, Naël. Je t'appelle ici, hein, je vois. Viens ici, Naël. Donc, je vais appeler Naël. J'ai vu ses regards. Il a beaucoup participé ce matin d'école du sabbat. Et ici, avec Naël, les enfants, Naël va représenter tous les enfants de l'église ce matin. Parfois, on a des contacts avec des amis à l'école. Ah, on a deux garçons. Ah, bravo. Viens ici. Comment tu t'appelles ? William. Et toi ? Naël. Donc, on a deux jeunes garçons ici. Et ces jeunes garçons vont symboliser toute l'église, les enfants de l'église. Et je vous invite aussi. Imaginons que vous connaissiez un Rémi. Ah, il y en a encore un troisième ? Ah, bravo ! Je suis très contente.
Et là, on va prier pour. Vous savez, on a des remis dans ce monde qui ont besoin de connaître la lumière, qui ont besoin de connaître Jésus. Et ce matin, si vous connaissez un Rémi, je vous demande pendant toute cette semaine de réflexion, priez pour Rémi, les Rémi que vous connaissez. Peut-être c'est la Rémi, une petite fille, peut-être c'est un petit garçon, ou peut-être c'est un grand garçon, ou un garçon très âgé. Mais nous allons, pendant la semaine des prières, prier pour que Dieu, d'une façon, soit par la parole, soit par ce qu'on peut voir, puisse toucher leur cœur. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci pour ces trois enfants qui sont là, Seigneur, prêts à te servir, prêts à prier et être des lumières et être le sel de la terre. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour les enfants de cette église. Je te remercie au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Des enfants. Donc, nous rappelons que les responsables aussi ont préparé quelque chose pour nos enfants pendant la semaine de réflexion biblique. Donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants. Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans Exode chapitre 3, le verset 2. Exode chapitre 3 et le verset 2. Le messager du Seigneur lui apparut dans un lieu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Donc j'invite le pasteur Bruno Vertalier à venir devant. C'est un privilège pour moi ce matin de l'introduire, de le présenter. Donc c'est lui qui va donc nous conduire pendant cette semaine de réflexion biblique. C'est un privilège pour nous. Merci beaucoup, Pasteur Bruno, d'avoir accepté notre invitation. Alors, il a été pasteur en France. Il a été missionnaire pendant 5 ans à Madagascar. Il a été aussi professeur au campus. D'ailleurs, j'étais un de ses étudiants en 2003, en cours de spiritualité, je me rappelle encore. Et aussi, il est aussi responsable de l'association pastorale. Il a été responsable de l'association pastorale et il a été aussi président de la division inter-européenne et il a fait ses études aux États-Unis, à Andrews University. Il a un doctorat en théologie pratique. Il est marié à marié à Christiane et le couple Vertalier a 3 enfants. Donc merci beaucoup Bruno d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu sens bon ? Nous aimons l'entendre dire, surtout lorsque on nous le dit. Nous achetons des parfums, nous recevons des parfums, nous offrons des parfums. Êtes-vous en quête de perception dans votre vie de croyant, de témoin de l'Évangile ? Souhaitez-vous transmettre ce que vous ressentez? Si oui, vous êtes à la bonne place. Et durant cette semaine, nous allons précisément parler des sens, de la manière dont Dieu nous a fourni afin de percevoir notre monde qui nous entoure, ce monde que nous devons aimer, ce monde que lui-même a aimé. Alors, nous voulons reconnaître effectivement que Dieu nous a pourvus et nous a donné des outils extraordinaires qui sont là à notre disposition afin que nous puissions les utiliser, nous en servir pour transmettre, pour communiquer
l'évangile éternel, cet évangile que nous aimons, cet évangile que nous voulons partager, cet évangile que nous voulons faire ressentir. Car peut-être que nous avons étudié la Bible, nous avons reçu des dizaines, peut-être même des centaines d'études bibliques, nous avons certainement entendu des centaines de prédications. Et tout cela, bien sûr, est bon, tout cela est nécessaire, tout cela nous invite précisément à nous mettre en route, à peut-être compenser ce que nous ne comprenons pas toujours lorsque nous étudions, mais aussi à le ressentir. Car transmettre l'Évangile n'est pas simplement un acte intellectuel, n'est pas simplement un acte de grammaire ou de langage, mais c'est un acte de communication, c'est un acte de transmission, et tout cela passe au travers des sens. Et pour cela, eh bien, Dieu nous a gâtés, Dieu nous a pourvus, et nous avons tous les moyens de perception et de communication dont nous avons besoin. Et si Dieu donne l'intelligence, le raisonnement, s'il nous a gratifiés d'une dimension spirituelle, d'une dimension sociale, d'une dimension morale, il nous a aussi gâtés avec la capacité de ressentir des émotions. Et ces émotions, naturellement, se perçoivent au travers de nos sens. Dans un texte générique, nous lisons dans la Genèse au chapitre 1, le verset 27, « Dieu créa les humains à son image. » Je crois que cela nous permet effectivement de découvrir certaines choses, et bien sûr, en ce qui nous concerne, à l'image de Dieu, ce Dieu qui est sensitif, ce Dieu qui est sensible, ce Dieu qui aime, car il nous est dit que Dieu est amour. Et l'acte divin est un acte d'amour par excellence. Et tout cela passe naturellement par les sens. Dans la Genèse également, au verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. Et c'était très beau. Et cela aussi, nous pouvons le capter, cela aussi, nous pouvons le percevoir au travers de nos sens. Ainsi, nous découvrons que l'être humain, créé par Dieu, est un tout. Il est composé, bien sûr, de bons éléments, puisque tout était très bon. Et les sens sont de très bons éléments qui nous permettent de communiquer, qui nous permettent de recevoir, de capter le monde qui nous entoure. Croyez-vous que Dieu est sensitif ? Ah, j'en suis persuadé. Et Dieu nous met bien souvent dans des situations où tout notre être est engagé, ou doit être engagé. Tous nos sens sont mis en éveil. Et je vous suggère un formidable récit au travers duquel Dieu attise nos sens. Je veux parler de Moïse, lorsqu'il est là, au buisson ardent, ce buisson flamboyant, mais qui ne se consume pas. Et Dieu va lui faire découvrir des valeurs importantes, des valeurs qui sont déjà quelque part en Moïse, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, il a reçu lui aussi ses sens. Et je crois que pour vivre dans le désert, ou vivre comme il l'avait fait, échapper aussi à l'Égypte et puis se refaire une vie, il avait fallu à Moïse effectivement développer ses sens. Ses sens de la vue. Ses sens de l'ouïe, percevoir les bruits, percevoir les dangers, tous ceux qui étaient son environnement, il devait le ressentir, mais peut-être que ses sens n'étaient pas encore là pour lui, dans sa compréhension nécessaire ou une possibilité de rendre ses sens pour Dieu, à Dieu et bien sûr pour ses semblables. Et c'est ainsi que Dieu va attiser, va éveiller d'une manière extrême la sensibilité, les sens de Moïse, afin que Moïse découvre ce qui était nécessaire pour sa prochaine mission, mais
il allait le découvrir. Et c'est ainsi que Moïse voit le feu, il voit la lumière, il sent l'odeur du feu, car même si le feu ne se consume pas, tous les ingrédients du feu sont là, et Moïse perçoit tout cela. Il ressent le toucher, ou par le toucher, la chaleur du feu sur son visage, sur ses mains, et puis aussi au travers de ses pieds, lorsqu'il est là sur le sol, et que Dieu va lui demander quelque chose. D'ôter les sandales de ses pieds, afin de mieux capter, afin d'être plus sensible à qui était là présent dans ce buisson ardent. Il goûte la fumée âcre qui excite ses papilles. Il entend le crépitement du feu. Oui, ses sens sont en éveil. Et vous-même, si vous avez participé à des activités scouts, si vous avez construit un feu, vous vous souviendrez de ces sensations. Personnellement, j'ai construit beaucoup de feux avec les jeunes à une certaine époque, et c'est vrai que la sensation du feu est quelque chose de particulier. Les jeunes aiment voir un feu, ils aiment se rassembler autour du feu, ils aiment entendre, ils aiment voir, ils aiment le son du crépitement, peut-être aussi l'odeur du feu, ressentir par le toucher la chaleur du feu. Cela rassure, cela fait du bien, un feu rassure. Oh, c'est vrai qu'un feu peut être dévastateur, et vous savez que dans certains endroits de ce monde, et quasiment tous les jours, il y a des incendies, et ces incendies sont dramatiques. Mais lorsque le feu est là, lorsque nous sommes autour du feu, lorsque nous chantons peut-être aussi des chants joyeux autour du feu, cela transmet des émotions que nous avons envie de partager les uns avec les autres. Et c'est précisément à ce moment, lorsque les sens, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, l'ouïe sont là, présents, rassemblés dans cette expérience pour Moïse, que Dieu va lui demander quelque chose de particulier. Lorsque les sens de Moïse sont à l'extrême, lorsque Moïse est hypersensible à cette expérience qu'il est en train de vivre dans la présence de Dieu, Dieu lui demande quelque chose d'extraordinaire. Chapitre 3, verset 10 de la Genèse. Dieu va lui dire, « Maintenant, va, je t'envoie. » Moïse ne peut aller, Moïse ne peut être envoyé par Dieu que lorsqu'il est convaincu au travers de ses sens que la présence de Dieu est là, qu'elle l'entoure, qu'elle le protège. C'est vrai que Moïse va être lâché dans la nature, comme on dit, mais finalement il sera rassuré, convaincu, certain de la présence de Dieu. Et n'est-ce pas un peu ce que nous attendons probablement pour chacun de nous ? Et c'est probablement ce que Dieu veut faire aussi pour chacun de nous, éveiller nos sens, que ce soit le goût, que ce soit le toucher, la vue ou l'ouïe. Car lorsque tous nos sens, ces sens qui ont été donnés par Dieu, sont en éveil, lorsque nous captons notre monde autour de nous, c'est peut-être là aussi le moment que Dieu va choisir pour nous envoyer au monde, pour que nous puissions le suivre partout. Oui, je te suivrai partout, oui, je te suivrai toujours. Et c'est ainsi que Dieu appelle ses enfants. Oh, c'est vrai que, vous le savez, Moïse va résister. Il prétexte des tas de choses. Il dit, mais qui suis-je? Ils ne me croiront pas. Et bien sûr, Pharaon ne me croira pas. Qui suis-je pour aller parler au Pharaon? Et qui suis-je pour dire au peuple d'Israël? Viens, Dieu t'appelle à sortir d'Égypte. Qui suis-je? Et il a besoin d'être convaincu. Et vous vous souviendrez, à la lecture du récit,
de cette expérience où Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu touches? Ben oui, j'ai un bâton, je touche un bâton, bien jette-le. Jette-le par terre et ce bâton va se transformer en serpent. Le toucher, puis la vue, il voit ce qui se passe. Et puis retour, Dieu lui dit, eh bien maintenant reprends ton bâton et le serpent redevient bâton. Et Moïse discute encore. Et Dieu lui dit, eh bien, mets ta main dans ton côté. Moïse le fait, il ressort, il a la lèpre, sa main est blanche comme la lèpre. Il voit, il sent, il touche. C'est vrai qu'il est effrayé. Et Dieu lui dit, remets ta main dans ton côté. Il ressort la main et il voit sa main purifiée. Et nous comprenons que ces expériences ne sont pas anodines pour Moïse. Il doit être tout entier, concentré sur la mission qui sera la sienne, celle de retourner en Égypte. Et par chance, il retrouvera son frère Aaron, qui apparemment avait une langue plus développée que la sienne. Les sons sortaient plus facilement de la bouche d'Aaron, ce qui permettait aussi d'être plus audible. Oui, les sensations jusqu'au bout. Et Moïse craque et deviendra un formidable témoin de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, pour nous, il est si important d'être éveillé par nos sens, de les capter, de les ressentir. Les sens peuvent nous aider dans notre mission de témoin, car n'est-ce pas ce que nous souhaitons? Avoir ressenti, avoir vu, avoir touché, avoir perçu, entendu les bienfaits, les bontés de Dieu, n'avons-nous pas à ce moment envie de les partager? Je suis persuadé qu'il vous est arrivé, après avoir perçu au travers de vos sens quelque chose de bon, d'original, de dire « Oui, j'ai envie de te le faire goûter, j'ai envie de te le montrer. » Et nous disons volontiers à quelqu'un, « Bien, viens, on va aller manger à tel endroit, c'est tellement bon, viens goûter ce que moi-même j'ai déjà goûté. » Ou « Viens, je t'invite à aller visiter un endroit, c'est tellement beau, qu'il faut absolument que tu voyes cela. » Est-ce que nous n'avons pas envie parfois aussi, et même si nous sommes retenus pour toutes sortes de raisons, d'avoir envie de partager, de dire à ceux qui sont autour de nous, « Viens, viens et vois, viens, viens goûter, viens avec moi. » J'ai découvert des choses que j'ai envie de partager, j'ai envie de te faire du bien, j'ai envie que ce que moi-même j'aime ou j'ai aimé, eh bien, soit également pour toi. En même temps, nous devons être avisés à ne pas gâcher nos sens. Il y a des choses que nous ne devrions pas voir. Il y a des choses que nous ne devrions pas goûter. Il y a des choses que nous ne devrions pas sentir, des choses que nous ne devrions pas entendre, et bien sûr des choses que nous ne devrions pas toucher. Comme je l'ai déjà dit, l'être humain est un tout. Ce tout, avec son intelligence, ses sens, doivent servir. Il doit être utile à la communication de l'Évangile. Ainsi, l'Évangile se goûte et se transmet au travers de ce que nous ressentons ou percevons. Voilà une bonne nouvelle pour nous, et puis aussi pour ceux qui sont autour de nous. Par nos sens, nous voulons nous interconnecter à notre milieu. L'Évangile doit faire de nous des passeurs de sens. Non, quand je dis sens, pas seulement de logique, mais de sens, des sens que nous avons, que nous utilisons tous les jours.
Nous devons devenir des passeurs d'émotions, et ces émotions se traduisent par nos sens, dans une dynamique de perception. Et chaque personne possède 5 sens. Certains disent qu'ils possèdent un 6e sens, mais ça n'a rien à voir avec, disons, les sens habituels dont nous parlons, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat. Oui, nous avons reçu de la part du Seigneur ces dons, en tout cas ces 5 dons qui nous permettent, eh bien, d'évoluer, de ne pas être embarrassés dans notre monde, dans notre milieu. Nous avons besoin de ces 5 sens. Je pense que vous vous souviendrez d'une époque où nous parlions des dons de l'Église, les dons que les frères et sœurs, eh bien, ont reçus, et chacun était à la recherche de ces dons. Et on a eu des séminaires, même parfois de nombreux séminaires, pour découvrir quels étaient nos dons. Et je me souviens, lorsque nous présentions les thèmes, les sujets, certains participants disaient « Mais moi, j'ai aucun don. Qui suis-je ? Qui suis-je dans l'Église ? Je n'ai pas de don. Comment puis-je transmettre l'Évangile ?» Alors, on les aidait à découvrir leurs dons, et puis on se réunissait autour d'eux, on faisait des listes de dons. Est-ce que dans cette liste, tu n'as pas peut-être quand même un ou deux dons ? Et pourtant, les dons primaires que Dieu nous a donnés n'étaient pas forcément mentionnés. Personne, ou du moins, ne se rendait pas véritablement compte que Dieu nous avait déjà au moins donné 5 dons à chacun. Ce n'était pas possible, à moins d'être handicapé ou malade ou d'avoir une infirmité. Normalement, nous avons tous ces 5 dons à notre disposition. Ce sont les dons primaires qui ensuite vont enrichir ou vont s'enrichir par d'autres dons. Mais il est important déjà de repérer ou de reconnaître ces dons et de se dire et de remercier le Seigneur en lui disant « Eh bien oui, merci Seigneur pour ces 5 dons que tu m'as donnés. » Et si tu veux bien me permettre de ressentir les choses comme Moïse, si tu veux bien m'appeler, je veux bien aussi essayer, je veux bien m'engager pour toi, car n'est-ce pas là la priorité de notre expérience de chrétien, notre expérience de foi, transmettre à nos semblables ce que Dieu nous a donné. C'est un petit peu comme les couleurs. Il y a des couleurs primaires. Il y a 6 couleurs primaires, et à partir de ces couleurs, des milliers d'autres couleurs sont possibles. Eh bien, par rapport à ces 5 dons que Dieu nous a donnés, ces dons primaires, ensuite nous pouvons multiplier ces dons pour le bienfait de ceux que nous rencontrons. Les 5 sens nous permettent de percevoir le monde extérieur, les bienfaits, mais aussi les inconvénients, les peurs, mais aussi les joies. Par nos sens, nous percevons toutes ces choses. Cela est si vrai que même dans le silence, nous percevons des choses. Et nous allons dire, oh, il y a de l'électricité dans l'air. Un regard en dit parfois plus long qu'une parole. La vue d'une situation met en place un système de défense ou d'accueil. Un geste nous repousse ou nous invite. Dans la chapelle, nous allons peut-être choisir de nous asseoir à l'écart, ou nous allons choisir de nous asseoir à côté d'une personne plutôt que d'une autre. Il y a là toutes ces perceptions. Et tout cela passe au travers de nos sens, et nous sommes extrêmement sensibles. Et je crois que cette sensibilité est nécessaire aussi pour le partage et la prédication de l'Évangile. Et chaque jour, nous émettons des milliers de signaux, des signaux qui accueillent, des signaux qui repoussent.
tout cela à travers de nos sens. Et l'Évangile nous invite, et je crois que cela est important, l'Évangile nous invite à changer notre regard sur les gens. Comme nous souhaitons qu'ils changent de regard sur nous. Je pense à l'apôtre Paul. Cet apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9, le verset 22, « Je me suis fait tout à tous, se faire tout à tous, en utilisant nos sens. » Naturellement, ajoute-t-il dans 2 Corinthiens 10, verset 1, « avec la bienveillance de Christ. » Changer notre regard sur les gens au travers de la bienveillance de Christ. Et Paul a dû bien souvent changer son regard sur son environnement. Ça a commencé dans ou sur le chemin de Damas, où lui qui avait une sensibilité et qui était vraiment à fleur de peau, qui était à vif et qui ne voulait pas ressentir ce que Dieu voulait l'inviter à ressentir, à voir, à croire, il s'est montré odieux, il s'est montré terrible à l'égard de ses croyants, à l'égard de ses chrétiens qu'il a tout d'abord persécutés pour devenir lui aussi et ensuite un chrétien. Oui, changer notre regard au travers de nos sens sur notre environnement. Et voilà un magnifique défi dans l'usage ou au travers de l'usage des sens pour la communication de l'Évangile. Je crois que vous serez d'accord avec moi si je dis que Jésus s'est servi des sens. Jésus était très tactile. Jésus était très sensitif. Jésus avait une oreille extraordinaire. Il avait un regard aussi sur les visages et bien sûr sur les cœurs. Lui qui ressentait si bien les situations des femmes et des hommes qu'il croisait. Il les voyait, il les regardait dans les yeux. Il leur faisait goûter la vie. Il leur prêtait une oreille attentive. Il les touchait pour les guérir. Voilà ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur cette terre. Et il ne faisait exception de personne. Il était capable d'aller vers quiconque pour apporter la bonne odeur, pour permettre à ceux qui étaient autour de lui, bien sûr ses disciples tout d'abord, mais ensuite les foules qui l'entouraient. Jésus ressentait toutes ses émotions et bien sûr au travers de ses sens. Cela lui permettait de faire que ces gens rencontrent leur Sauveur. Et les prochains soirs, nous allons nous pencher sur ces divers sens que Dieu nous a donnés. Nous voulons nous laisser inspirer par des situations vécues par Jésus. Nous avons besoin d'être modelés par le Seigneur, modelés par Jésus. Nous avons besoin de devenir plus humains en découvrant au travers de nos sens les dons du Créateur. Laissons notre sensibilité nous ouvrir à l'Évangile. Découvrons comment Jésus agit au travers de nos sens, de ces sens qu'il nous a donnés pour convaincre, encore une fois, ceux qui sont autour de nous de son amour
Et je veux croire que nous avons nous-mêmes fait l'expérience, que nous avons vu, que nous avons touché, que nous avons entendu. Ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Laissons notre sensibilité nous ouvrir à l'Évangile. Découvrons comment Jésus agit au travers des sens pour convaincre les humains de sa présence et de la force qui est en lui et de l'amour qu'il veut leur dispenser. Alors si vous souhaitez goûter la proximité de Jésus, si vous souhaitez le sentir, eh bien, ne manquez pas nos rencontres. Le Seigneur souhaite que nous soyons ensemble, que nous soyons à l'écoute, à son écoute, l'écoute de la vie, l'écoute de ce que nous percevons au travers de nos sens. C'est si simple et si facile, et pourtant parfois si difficile, car nous mettons des freins, nous mettons des barrières. Et peut-être que cette expérience du virus nous a quelque peu perturbés aussi dans nos sens. Lorsque peut-être spontanément, vous voulez embrasser quelqu'un ou lui faire la bise, et puis que cette personne a un mouvement de recul, même si vous avez le masque peut-être. Mais bon, c'est des choses qui sont venues. Malheureusement, peut-être aujourd'hui trop spontanément, lorsque vous tendez la main, bien peut-être que votre vis-à-vis va vous mettre le poing. Il y a des réflexes, j'ai envie de dire, de sens inversés. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue. La solidarité qui doit être la nôtre, la vie que Dieu nous a donnée, cette sensibilité que Jésus souhaite que nous continuions de manifester. Et tout cela peut être fait au travers de nos sens. Et nous voulons nous souvenir, comme Moïse, que c'est au moment où Moïse est là, vivant cette expérience du buisson ardent, que ses sens sont éveillés à l'extrême, que Dieu va lui demander d'agir et d'aller, va maintenant. Et nous souhaitons que chacun de nous, nous puissions reconnaître ce qui est important dans notre vie. Demain, nous parlerons du toucher. L'aspect tactile est très important dans une relation et Jésus s'en servira, il posera cette question, qui m'a touché ? Et qui ne souhaite être touché par Jésus, être relevé, être guéri ? En fait, les sens sont là pour ressentir l'amour donné par Jésus, ou pour donner aussi cet amour. N'est-ce pas ce dont nous avons besoin ? Alors, chers frères et sœurs, à nos sens, Jésus a besoin de nous dans cette découverte et dans l'attente de cette découverte au cours de la semaine. Soyez bénis par la main du Seigneur. Amen.
Matthieu 6, verset 2, nous dit « Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. » Donc vous voyez, même pour les dîmes et les offrandes, on nous parle des cinq sens, puisqu'ici on nous parle de l'audition avec la trompette. Mais ce n'est pas ce verset-là que je souhaitais vous lire. Je souhaitais vous lire 2 Corinthiens, verset 10. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Donc vous voici aussi les fruits, le pain, le goût. Donc, comme vous savez, vous avez à la sortie de l'église les petits paniers pour vos dîmes et vos offrandes, ou bien si vous êtes sur vos écrans, vous avez aussi la possibilité de verser vos dîmes et vos offrandes par Internet avec les liens qui s'affichent à l'écran. Et je vous invite à prier. Père éternel, nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu nous donnes, au travers de nos sens et aussi au travers de tous les moyens dont nous disposons. Nous voulons te demander de bien vouloir bénir les dîmes et les offrandes que nous venons t'apporter aujourd'hui, afin qu'ils puissent aider tous ceux qui en ont besoin à te découvrir. Et nous voulons particulièrement te remercier pour nos cinq sens, parce que tous ces sens que tu nous donnes sont des bénédictions, sont des grâces, et nous les prenons bien souvent pour acquises, mais nous souhaitons te redécouvrir à travers de chacun de ces sens, redécouvrir où tu te caches et tout ce que tu nous apportes au travers de chacun de ces sens. Nous voulons aussi, Seigneur, pouvoir identifier Jésus au travers de chacun de ces sens et savoir comment il agirait pour nous systématiquement. Nous voulons te demander de bien vouloir aussi être des passeurs de sens, rester sensibles et à l'égard de chacune des personnes qui nous entourent et pouvoir partager ton évangile au travers de tous les dons que tu nous accordes. Nous sommes, Seigneur, prêts pour toi, prêts à nous engager pour partager ta parole et l'espérance de ton retour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
Nous avons vu le Sauveur en pleine possession de ses sens. Et je vous invite à nous projeter sous les rives de la Nouvelle Jérusalem, à le voir face à face et à engager un dialogue des yeux. Lui vous transmettant son amour ineffable, inconditionnel, et vous lui manifestant votre reconnaissance. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Et je vous invite quand même à partager ce moment avec nous dans la louange et chanter avec nous ici en présentiel et vous derrière vos petits écrans. Bénédiction tirée de la parole de Dieu dans l'épître aux Philippiens au chapitre 6 et les versets 23 et 24. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Allons en paix. Nous vous souhaitons un bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse, et nous vous accompagnons avec ce chant. Thank you.
suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis.